C'est fermé hein, comme combat pour le moment. Est-ce qu'il s'est pas appuyé un peu de la tête, Yoann Lee? On va voir ce que ça donne, mais quel Uchimata là, de la part de Kohara avec pas beaucoup de tissu au départ. Et ouais, est-ce que c'est pas le japonais qui s'est... Ouais, pour moi, il a pris appui tête. On revoit. Là, il lance. Et ouais. Et ouais, c'est vrai que s'il n'avait pas pris appui sur la tête, ça serait pas passé. Pour moi, il y a un truc maqué pour le japonais. Contre le japonais. Il prend appui sur la main, mais sur la tête. Et donc, ça, c'est très gueule. C'est pour protéger les judokas. Eh non! Eh non! Non, non. Alors là, c'est honnêtement à ne rien me comprendre. On a vu bien l'appui-tête, même s'il appuie sur la main. Il va falloir qu'il y ait de l'harmonisation dans l'arbitrage. Là, il va y aller le coréen. Après, le Uchimata, c'est vrai qu'il y a une main comme ça, loin derrière, en allant chercher au moment de décoller, en fait, hein, son adversaire. Et oui! On a réclamé le Saikomi du côté du japonais. Ah, il s'est fait avoir là, clairement Lee. Il a mal géré. Oh, est-ce qu'il n'a pas réussi à prendre la jambe avant le hippon? Non, visiblement. Kohara qui l'emporte dans un combat assez spécial.